Sur Énergie. Il est 8h02, vite. Qu'on amène le coq. Attention, j'ai dit une grosse connerie tout à l'heure. Je vais devoir faire une rectification. On m'est tombé dessus. On m'est littéralement tombé dessus. Je vous explique tout juste après les infos et on va doubler votre salaire dans 5 minutes. Actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plein soleil aujourd'hui sur Monaco et le littoral azuréen. Tout juste quelques passages nuageux sur les reliefs et des températures jusqu'à 32 degrés. 23 actuellement sur le Rocher à Menton. Si vous aimez la chaleur, profitez-en. Avec une dégradation du temps vendredi, les températures vont baisser et ne devraient alors plus dépasser les 27-28 degrés. Ça fait un petit moment que ce n'est plus le cas, mais vous pouvez respirer un bon coup ce matin. Selon Atmosud, la qualité de l'air annoncée pour ce mardi est bonne à moyenne sur la Riviera française. Côté plage, les monégasques encore en vacances peuvent toujours bien profiter de la plage ou alors après le boulot ou les cours. Il fait encore bon se baigner dans une Méditerranée à 26 degrés. On se baigne, mais prudence, sur la plupart des plages azuréennes, il n'y a plus de surveillance en dehors des week-ends. Hier, une niçoise est décédée alors qu'elle nageait à environ 200 mètres de la plage entre Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Elle a été victime d'une crise cardiaque. Un homme s'était également noyé à Menton le week-end dernier. Également dans l'actu aujourd'hui, un anniversaire, le 75e de la libération de Monaco. Dès maintenant, un campement militaire est installé sur la place du Palais avec des figurants en tenue d'époque. Il y aura également ce matin un défilé de véhicules anciens. Ils vont traverser la principauté entre 9 et 13 heures. Des commémorations auront également lieu au lycée Albert Ier, au Conseil National. Il était temps, lancement ce mardi du Grenelle contre les violences conjugales à Paris. Pendant 3 mois, des responsables d'associations, des policiers, des victimes, des juges vont discuter et se confronter un peu partout en France pour retrouver des solutions. Une femme meurt environ tous les 3 jours sous les coups de son mari, de son conjoint ou de son ex à l'heure actuelle dans le pays. 7 ont ainsi été tués l'an dernier dans les Alpes-Maritimes. Louane, Lola Dubini, la youtubeuse, Thierry Marx, le cuistot ou encore Christophe Beaugrand, le présentateur, participe à la vidéo de promo du numéro d'aide et d'écoute pour toutes celles qui sont concernées. C'est le 3919. Fin des enchères, le mercato foot s'est achevé cette nuit et ça a pas mal bougé du côté de Monaco hier. Falcao, arrivé à l'été 2013, quitte le Rocher pour la Turquie et Galatasaray. Cet après-midi, la SM va présenter ses 2 dernières recrues, Tiemoué Bakayoko et Jean-Kévin Augustin. Ailleurs, un gros coup côté parisien, le PSG a recruté Mauro Icardi en prêt. L'attaquant argentin arrive en provenance de l'Inter Milan pour au moins 1 an. Sinon, à l'OM, Luis Gustavo est parti en Turquie lui aussi. Finalement, il n'a pas été remplacé par le milieu nantais Valentin Rongier. Trêve internationale oblige, le championnat reviendra dans 10 jours avec notamment ASM, OM, le 15, au Louis II. Voilà pour votre actu. Il est 8h05, on est mardi aujourd'hui, le 3 septembre. Dans un instant, Manu double votre salaire. Bon début de journée à vous, bon réveil. Il est 8h05, dans une petite minute, nous allons doubler votre salaire pour la 2e fois de la matinée. Mais avant ça, je dois faire un mea culpa, excusez-moi, breaking news. Tout à l'heure, nous avons parlé du pape François qui est resté coincé dans un ascenseur au Vatican pendant 25 minutes. Ouais. Oui, on parle de tout, y compris du pape François qui est bloqué. Mais oui. Mais j'ai fait une erreur. Et je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait une erreur. Mais avant ça, j'ai reçu un nombre de messages sur l'application Manu dans le système pour me montrer mon erreur. Vous êtes au taquet, hein. On va en écouter quelques-uns. Salut Manu, c'était juste pour te dire, faire une petite rectification. C'est pas le pape Francis, mais il s'appelle bien François. Et oui, parce que j'ai dit Francis au lieu de François. Bah oui. Attends, c'est pas le seul à m'avoir dit. Hein. Salut les ouin-ouin. Alors Manu, je voulais réagir sur l'info que tu as donnée sur le pape qui était coincé dans l'ascenseur. Ce qui m'a fait beaucoup rire dans ton info, c'est que tu l'as appelé 3 ou 4 fois le pape Francis. Je sais. Manu, je pense que tu voulais dire le pape François. Oui, je voulais dire le pape François. Salut à tous. Bon, écoutez, je veux pas faire le mec relou, mais... Oh, tu étais déjà relou, hein. Vous voyez, du pape Francis, en fait, c'est le pape François. Je sais.
Allez. Manu, pourquoi tu as dit le pape Francis? C'est parce que je me suis trompé. Je suis en voiture, je t'écoute. Oui. Et franchement, je crois que c'est la première fois que tu dis une bêtise. Oui. Parce que c'est pas le pape Francis. Mais je sais, c'est pas François. Salut les ouin-ouin. Oui. Bon, écoute la Manu là. Il est 7h37. Oui. Tu viens de dire le pape Francis. Je sais. C'est pas Francis. C'est quoi? C'est le pape François, mon mais gars. Mais oui, je sais. Manu, oui. Tu te trompes sur le pape. C'est pas le pape Francis. C'est le pape François. Oui. Bon Manu, je viens d'entendre ton info sur le pape, comme quoi il serait resté dans un coincé dans un ascenseur. Mais en l'occurrence, c'est pas le pape Francis, c'est François. Je sais. Bon, j'arrête là les messages. Ça n'a pas arrêté l'application. Oui. Manu dans le 6-9 sert aussi à ça. Et le plus fou dans tout ça, c'est que t'as reçu des centaines de messages et nous on t'a rien dit. Nous on s'est rendu compte de rien. Vous avez laissé passer le truc. Ouais. J'ai cru qu'il y avait eu un nouveau pape entre temps et que j'étais pas au courant. Alors non, c'est parce que en fait, l'info, je l'ai lu en anglais. Ah. Et j'ai vu sur un site en anglais. Ouais, je suis bilingue. Ouais. Et en anglais, en fait, c'est Pope Francis. Ah ouais. Okay. Et en fait, j'ai fait ça et dans ma tête, au lieu de dire François, bah, j'ai dit Francis. Ouais. Là, t'as compris la leçon. Tu fais plus d'erreurs. Hein. Ouais. Bah oui, mais derrière. Ah, parce que derrière, alors là, ça ne pardonne pas. Hein. Ah non, non, non. Mais les deux auditeurs anglais qui nous écoutent sont ravis. Hein. Ah, parce qu'ils ils ont eu le bon moment. Non, ils sont dit, putain, ils parlent du pape. 8h08, n'hésitez pas, dès qu'on fait une erreur, l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez envoyer un message et vous êtes au taquet. Allez, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire. Amandine habite Fonsorbe, c'est en Haute-Garonne, elle a 25 ans et elle touche 1204 euros chaque mois. Amandine, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire, t'as bien fait de t'inscrire. Oui, allô? Allô, c'est Amandine? Oui. Amandine de Fonsorbe en Haute-Garonne? Oui. Quel est le seul animateur radio qui loupe ton salaire? C'est Manu, je suis allé. Oui, oui, oui. Ah, c'est trop bien. Bravo. Ah, j'adore, merci beaucoup. Amandine, tu peux crier ta joie, je vais doubler ton salaire de 1204 euros. Il va passer à 2408 euros. Bah. C'est génial. Eh ouais. J'adore. Mmh. Mais c'est, en fait, c'est inattendu. C'est génial. C'est ma première inscription. Wow. Et eh ben tu vois, ça n'arrive pas. Tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais oui. Vous mais non. Et oui, il y en a qui s'inscrivent des fois, 100 fois avant d'y arriver. Et il y en a comme toi, Amandine, qui sont méga cocus et qui et qui arrivent dès la première fois. 2408 euros, ça va arriver trade pour toi. Tu es vendeuse dans un magasin de jouets. Tout à fait, ouais. Waouh, wow, l'endroit où il y a le plus de cris et de pleurs au monde. C'est exactement ça, et c'est du matin jusqu'à la fin de la journée. Ah bah ouais. Mais vous savez que les infirmières dans les maternités viennent dans le magasin d'Amandine. Enfin non, c'est Amandine passe. Non, oubliez ce que je viens de dire. Okay. Ouais, ça voulait rien dire en fait. Moi je suis dans cet état là quand mon fils tu vois se roule par terre et hurle parce qu'il veut un jouet que je veux pas lui acheter quoi, ça suffit. Et c'est, tu peux rien faire, c'est terrible. Je me mets à ta place. Ça hurle beaucoup Amandine? Alors ça crie beaucoup et souvent quand ça arrive en caisse, on essaye d'aider les parents un petit peu quand même quand ils sont sympas. Ah, et sinon quand ils sont pas sympas, tu les aides pas, tu fais. Ah, il a bien raison, il est vraiment bien ce jouet. C'est un peu ça, oui. D'accord. Glandu, c'est quoi le jouet Amandine qui va cartonner là? C'est la rentrée. C'est quoi le jouet de la rentrée? Alors, pour les filles, on a les poupées LOL et pour les garçons, on a les toupies Beyblade ou Bakugan. Non mais Amandine, on te demandait pas ce qui marchait en 2017. Mais non, les Bakugan, ça vient d'être lancé. Bah les toupies et les poupées LOL. Mais ça marche du tonnerre. Ah ouais. Bon d'accord. Et pour les filles aussi les toupies, hein. Moi ma fille, elle adore les toupies. C'est pas que pour les mecs. Non, parce qu'on a tendance à dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Mais non, franchement, même moi mon fils, il a poussé la poussette avec le bébé dedans pendant des années, hein. Il adore. D'accord, c'est bon. On joue avec ce qu'on veut. C'est bien. Exactement. Amandine, on te double ton salaire. 2408 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. On t'embrasse fort. 8h11. Tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Energie.fr ou manudante69.com pour vous inscrire. Les concours du jour arrivent dans 3 minutes.